laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins été vivant. Amen, merci Sœur Bélisé. Créole l'a dit, la parole bon Dieu, c'est la parole qui gagne âme, qui gagne pouvoir. Li file passe couteau pharmacie. Li ka coupe jouk li jwenn kote nam ak l'esprit kontre fè youn. Jouk kote vyann ak mwèl renkontre. Li jije tout sentiment ak tout lide ki nan kè moun. Pa gen anyen ki invizib pou bon Diye. Tout bagay paret ak klè devan li. Nou tout nous gain pour rendre li compte. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que mon Dieu bénisse pour que tu ça pour édification de chaque monde qui l'a. Alléluia. Merci Seigneur. Parole bon Dieu, c'est parole qui gain nom. Qui gain pouvoir. Parole bon Dieu, c'est parole qui gain nom avec pouvoir. Alléluia. Nous n'en moi efficacité. N'a pas cheminé vers la fin de thème nan, mais c'est moi qui a fini, mais c'est pas thème nan. Thème nan a toujours là, c'est pour la vie, mais c'est thème nan, c'est moi qui a fini. N'a gagné pour nous toujours vivre dans l'efficacité, toujours vivre en chrétien efficace, toujours vivre en serviteur, en servante efficace, toujours vivre en témoin efficace. Matin hein, nous voulons poser une question. Est-ce que parole là vivante, est-ce que efficace dans la vie? Amen. Est-ce que parole, bon Dieu, vivante, est-ce que efficace dans la vie? Alléluia. Merci. T'as bien aimé. Auteur a dit, parole bon Dieu, c'est parole qui gagne nom, qui gagne pouvoir. Pour qui ça le dit ça? Et si nous regardons dans Romains chapitre 3, verset 3, il dit, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ouais. Et si monte pi wo nan chapitre 4 Hébreux, si malé nan verset 2 ya, pour nous capable comprendre un peu contexte qui venait nous nan verset 12 13 et dans verset 12 13 là, il dit parce que yo fait nous connaît bonne nouvelle là même Jean ak l'autre yo. Yo même tout, yo te tande message là. Mais ça pas servi yo en rien. Parce que là yo te tande là, yo pas recevoir à confiance dans bon Dieu. Voilà. Vous entendez? Nous même tout, nous tande message là même Jean Claude yo. Qui l'autre yo ça? Peuple Israël là. Dans génération Exode la bien-aimé, yo te tout simplement yo tande parole là, mais yo te refusé faire bon Dieu confiance. Donc yo te refusé croire parole là lorsque bon Dieu te fait une promesse, mais que yo te endurci. Yo t'a moqué yo de bon Dieu et yo t'a plaigné. Yo t'a babillé, yo t'a mamoté. Le li te promette yo que la pouvoir a besoin yo dans pays côté la peine yo, yo même yo te préféré babillé. Yo pas te mettre confiance dans parole bon Dieu, est-ce que bon Dieu avec là. Amen, amen. Yo pas te mettre confiance dans parole là. Yo pas te faire bon Dieu confiance et ça fait l'idou là parce que yo fait nous connaît bonne nouvelle là même Jean ak l'autre yo. Yo même tout yo t'étendé message là. Mais ça pas te servir yo rien parce que là yo t'étendé là, yo pas te recevoir à confiance en mon Dieu. Ouais. Il dit nous même qui gagne confiance dans bon Dieu, nous entrer
côté nous poser corps nous ensemble avec lui. D'après ça qui écrit, moi t'ai fait colère, moi t'ai cementé, yo pas de jambe mettre pied yo côté yo poser corps yo avec moi. Alléluia. Donc bien-aimé, l'on garder bonne nouvelle là que yo t'ai rejeté là, c'est bonne nouvelle ça, c'est la parole que yo t'étendé mais yo pas croire. Et ça que li di nous là dans chapitre 4 là, c'est pour nous très prudent. Très prudent pour ne pas commettre même péché ça que l'autre yo te commet là. Lorsque yo pas yo te choisi pour yo pas te mettre confiance yo, pour yo pas te mettre espoir yo dans parole là et dans promesse bon Dieu. C'est ça que fait l'éclair mes bien-aimés que mot ça car côté où elle est arrivée dans verset 12 là, il dit reprenez-ni sœur Bélisère en français pour moi. Verset 12 là. Où est-ce qu'il a commencé? Verset 12 va commencer car la parole voilà. Est vivante et efficace. Amen. Vous entendez? Car ça me bien-aimé. Alléluia. Amen. Il est clair que mot clair ça. Ouais, c'est à elle-même qui vient te permettre de comprendre exactement ce qui a passé là. Yes. Verset 12 il commence il comme ça. Il ban nous raison ou bien si tu es capable de dire des motifs pour nous capable bailler une réponse obéissante et pour nous capable mettre toute confiance nous dans appel ça qui lancé au verset 11 là. Ouais, dans verset 11 là gon appel qui lancé pour ne pas faire même erreur que Israël l'a fait. Le verset 11 ans pour nous sur Bélisère. Oui, efforçons-nous donc d'entrer afin que personne ne tombe en nous dans le même exemple de désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. On fait j'effort pour nous tous qu'à entrer côté ça, dans le repos. C'est pas pour aucun de nous désobéir, bon Dieu, tant que moun sa yo, qui te là avant nous, te fait là. Est-ce que nous t'entendons bien aimé? Pour nous pas perdre chance entre côté ça. Alléluia. Mais bien aimé, ça que nous te dit, on en Romains 3, verset 3. Il dit, et crois si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Bien aimé, je voulais dire aujourd'hui, la vie, non, son champ de bataille que lié. Comme mon petit de samedi, là. Amen, amen. Alléluia. La vie, non, son champ de bataille. Son champ de bataille. Côté deux ennemis à pas affronter. Deux ennemis à pas affronter pour être capable d'influencer eux. Pour être capable d'influencer eux. Afin que ou nous capables prendre yon chemin plutôt que yon l'autre. Chaque monde a pas influencé. De côté, la foi ou nan bon Dieu, ak nan parole bon Dieu, qui riche en promesses pour tout monde qui voulait prendre route ça, hein? Qui voulait prendre route ça? Tant qu'on yon bâton, pour yon marcher, on bâton pèlerinage, pour yon faire pèlerinage tire ça. Car mes bien-aimés, nous tous, nous ces voyageurs, nous ces pèlerins, sous bout de ça. Nous d'accord avec quand il a dit ça. Mais, pour faire voyage ça, sous bout de ça, qui sont gagnés en main? La paix, bon Dieu avec vous. Amen. La paix, bon Dieu avec vous. Pour faire voyage ça, sous bout de ça, mes bien-aimés, comme voyageurs et pèlerins, et comme tout le monde dit nous, côté nous y est là, mes bien-aimés, c'est dans l'hôtel nous y est. Dans l'hôtel, nous pas habité dans l'hôtel. Et pas au passé la donne. Même là où il y a un gros monsieur qui choisit pour habiter dans l'hôtel, non, moun pas habiter dans l'hôtel. Et pas au passé là. Dans l'hôtel, nous là, nous là pour deux jours. Nous là pour deux jours, nous pas venir rester là. Mais pendant où là, on va faire pèlerinage là, il sort dans la main. Qui bateau qu'on a dans la main. Pour m'accomplir pèlerinage terrestre, même besoin de bagaille que m'kembe nan même. Qui s'allie, mes bien-aimés? Hébreux chapitre 11, verset 1er.
On a regardé. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Qui ça le dit? La foi est qui ça? Après. C'est l'assurance. Après 11, avoir eu la foi à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Qui ça le dit? La foi. Oui. 11. Ok. I'm sorry, Vas. No problem. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, pour me faire pèlerinage à sous bout de sans besoin qu'on bagaille comme qu'on est dans même. Amen. La foi. Faut me bagaille, mes bien-aimés, pour me faire voyage ça. C'est ça, les bâtons de marche là. Qui s'allier? C'est la foi en Dieu et en sa parole. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Pour me faire route ça, bien-aimé, pour me faire voyage ça, j'ai besoin de ça pour me faire. Parce que lorsque vous entrez en action, vous pralvin un puissant levier pour qu'on y a la pour faire, pour bouger bras, bon Dieu. Parce que j'ai besoin de bagay qui pour faire, bon Dieu, agir. J'ai besoin de bagay qui pour travailler pour être bon Dieu. Pour être bon Dieu, agir pour moi. Gon bagay pou me faire, oui, bien-aimé. Et pas que ou et au chita la pou ap gade mon et pou di bon Dieu pral agir pou ou, non? Pour qui ça pou me efforcer, autant de ça le dit, dans verset 11 ans, on fait j'effort pour nous tous à entrer côté ça. Alors pendant que kounya la main sou, non, m'a fait voir tirer ça là, m'a fait pèlerina ça, kounya m'a rete sou, ose dizem, m'en kamba fin. Et la Bible dit m'la forme efforcer. On fait j'effort. Alors, m'rete m'ap gade moun, et puis m'pral l'entrer dans le repos. M'entre là, kounya la m'ap gade tout moun, m'ap gade moun kap travail, et puis m'konne, oui, oh m'sauve, et m'pral dans la gloire. Bon, j'abine cherche m'pral mal passé, tout reste dans ma vel, mal dans la gloire. Qui j'pral dans la gloire? Qui j'pral l'entrer là? Qui j'pral l'entrer? Pour qui ça pour m'efforcer, m'en poser question, pour qui ça pour me faire j'efforce ça, pour m'entrer côté ça? Et pour qui ça pour me faire attention pour ne pas tomber dans la désobéissance, même gens avec anciens yo? Est-ce que bon Dieu avec moi là? Amen. Pour qui ça pour me faire j'efforce? Pour qui ça pour ne pas tomber dans la désobéissance? Eh bien, mes réponses là, en allant dans verset 12 là, Meni, parce que, Meni, pas oublier là. Mais réponse ça, on allait non. Hébreux chapitre 4, verset 12. Mais pour qui ça pour ne pas tomber dans la désobéissance? Mais pour qui ça pour me faire j'effort pour me capable, alléluia, rentrer à mes bien-aimés? Pour me rentrer à côté. Yes. On était là. Parce que la parole de Dieu est vivante et agissante. Efficace. Alléluia. Amen. Donc c'est par lui-même, bien-aimé, que nous pral démontrer que l'invisible capable de venir visible. Amen. C'est ce que je dis dans Hébreux 11, première, la foi est une ferme assurance des choses qui ça connaissent. Démonstration. Ne voit pas. De ça ou quoi? Ah ouais! Démonstration. L'aimer kounye, la parole de Dieu est vivante. Ça kemdou, est-ce qu'elle est vivante dans la vie ou? Est-ce qu'elle est agissante dans la vie ou? Est-ce qu'elle est efficace dans la vie ou? Alléluia. Amen. Qui t'aime dire ou? Pour qui ça pour montrer non? Écoutez ça, dans le repos de Dieu. Objectif là, c'est pour me recevoir salut. C'est pour me recevoir la paix.
C'est pour me recevoir la joie. C'est pour me recevoir confiance de la vie éternelle et pas d'empêcher. Donc, si ça doit produire, mes bien-aimés, pour ça y arriver fait dans la vie, il faut me croire. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Faut me croire dans mon Dieu. Faut me faire, mon Dieu, confiance. Faut me mettre tout espoir dans lui. Et c'est pour me détourner le regard de tout effort personnel. Faut me détourner le regard de tout effort personnel. Faut me détacher, bien-aimé. Faut me sortir dans moi-même. Et pour me capable reposer, pour me capable mettre tout moi-même sous Jésus. Pour me mettre tout moi-même dans Jésus. Tout effort, tout ça pour me faire, m'a gagné. C'est moi-même qui pour effacer et puis pour Jésus te couvrir. Et mettre tout espoir dans la réalité. Mais pour me croire et pour me faire bon Dieu confiance, comprenez bien. Moi, je dois d'abord tendre des paroles là. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Moi, j'ai entendu bonne nouvelle là. En nous retourner dans verset 2, lorsque il te dit, parce que yo fait nous connaître bonne nouvelle là, même Jean ak l'autre yo, yo même tout yo t'entendé message là. Vous entendez? Yo même tout yo t'entendé message là. Faut m'entendre mes bien-aimés pour me croire. Amen. Moi, j'ai entendu bonne nouvelle là. Et qu'on y a m'kal comprenne promesse que bon Dieu fait à tout le monde qui repentit et qui croit. Parce que la foi n'est pas possible sans la parole. La foi vient de ce qu'on a. Alléluia. Il sortit de l'écoute, il sortit, non? La bonne nouvelle. La parole de Dieu. En fin de compte, où ça qui ça me doit faire, frère, m'sœur bien-aimé dans le Seigneur, moi, doué diligent témoin. Moi dois faire tout effort moi, j'en l'ai dit dans verset 11 là, pour ne pas céder à tentation pour nous prendre, pour nous camper loin la parole. Où est-ce qu'a passé jodi là? Où est-ce qu'a passé jodi là? Où est chrétien sous la parole? Non. Où est la parole intéressé monde jodi là? Pourquoi c'est danser seulement qui intéresse monde? C'est bailler 3 heures temps pompe, 3 heures temps danser et puis 5 minutes la parole et puis au bon. Parce que c'est danser ou vin danser. Malin mette ça même comme ambiance pour pomper, pour souer, pour transpirer et puis pour camper loin la parole parce que le connaît qui ça la parole représentait. Il faut camper loin la parole, il faut négliger ça que bon Dieu prévoit et ça que bon Dieu proclamait. C'est ça auteur a répété là. C'est ça que fait dit nous à plusieurs reprises. Il dit dans chapitre 2 verset 1, il dit dans Hébreux 3 1, il dit dans verset 12 là, il dit dans verset 15 là. La parole de Dieu, mes bien-aimés, ou pas capable de vivre sans lui. Parce qu'elle est vivante. Elle est agissante, elle est efficace. Si me pas tendelle qui côté elle pral efficace dans la vie. Qui côté le pral rentrer dans la vie pour le faire travail là? Parce que c'est pas lui-même que me pral capable montrer l'invisible. Parce que foi à lui vient à partir de la parole. Lorsque le Seigneur pral répond à demande moi, l'aime pral mettre en lumière tout ça qui paraît, mes bien-aimés. Il pral venir comme fruit, confiance que moi mettez dans l'IA. Que lui-même, lui fait grâce liban moi. Qui sa parole, bon Dieu, bien-aimé? Qui sa parole bon Dieu est? Nous devons d'abord identifier sa parole bon Dieu est. Ça le mentionné là. Les auteurs d'où là, dans Hébreux 4, verset 2, il dit, parole ça, bonne nouvelle là même, hein, parce que vous faites nous connaître bonne nouvelle là, même Jean à Clotio, yo même tout, yo t'étendez. Parole ça, il fait référence à la parole parlée. Message, bonne nouvelle que le mentionné là, dans verset 4 dans verset 2 là et c'est lui-même qui vient ba nous là il vient dit nous dans verset 12 là qui fait travail ça mes bien-aimés et lui dans verset 12 là qui fait travail ça qui vivante qui efficace qui agissante là qui a pouvoir oui parole promesse la parole provision que génération exode Israël t'a rejeté et t'a refusé croire. C'est la parole. La parole que l'Église, au premier siècle,
yo te tande. Et concernant urgence, pou yo te prêter attention à ça qui t'a enseigné. Et nous-mêmes pour nous aujourd'hui, c'est la parole écrite de Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Amen, amen. C'est ça qui est écrit aujourd'hui pour nous. Pour moi-même avoir aujourd'hui là, c'est ça qui est écrit. Amen. C'est lui-même qui gagne là-dedans une révélation, promesse que bon Dieu fait, non. Mais l'essentiel, c'est que la parole de Dieu, c'est toute forme de communication, de révélation que nous sommes capables de recevoir de bon Dieu et qui relaie, qui mandait une réponse de foi et d'obéissance. Et ça fait, ou praloué, auteur a vint poté pour nous là, mes bien-aimés, ces caractéristiques sous parole là. Ces caractéristiques sous parole là qui est important pour nous partager à vous. Je veux dire, vous avez besoin de connaître ça. Ou besoin connaître caractéristique ça yo parce que sans lui-même ou ap la lose sans lui-même ou pas servir bon Dieu j'en doué servir parce que pas connait sa parole là parce que la foi ou dans bon Dieu li marcher avec la foi dans parole là ou pas ka dou croire dans bon Dieu pour pas croire dans parole là la paix bon Dieu avec vous. Amen, amen. Ou pas ka dou croire dans bon Dieu pour pas croire dans parole là. Ça son non-sens lié. Oui, parole là, c'est bon. La foi marche avec parole, bon Dieu bien-aimé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On entend. De la parole. Parole, bon Dieu, c'est lui-même qui nourrit, c'est lui-même qui grandit, c'est lui-même qui booste lui. Mais comment est-ce possible, bien-aimé, pour parole la vie dans la vie? Je dis, comment capable dire que livre ça est vivant? Comment capable dire que parole la vivante? C'est une matière inerte que li, elle pas gagné dans li. C'est papier. Soit que bien dans mon là, un bout de papier lié. Un bout de papier, c'est l'encre qui est lié à sa relé et ses molécules qui l'a donné. Mais il pas déplacé. Est-ce qu'on avait parole la pas gagné. Parole la pas couru. Li pa parole la pas qu'à déplacer mes bien-aimés. Attendez bien oui ça m'Abdoula là. Li pas qu'à déplacer à partir de propre moyen parle. Est-ce que Bib dit dans mon là li gen pied qu'à déplacer pour compte lui? Non. Ah, mais comment pour la parole de Dieu est vivante? Comment vous parle la vie? Bon, li pas qu'à déplacer, li pas penser, li pas sentir, comment qu'a fait choix? Alors comment nous capable parler de un livre comme ça? Comment nous capable dire hein, la parole de Dieu nous a parlé de yon bagay comme ça, et puis n'a dit qu'elle est vivante. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, qui ces paroles-là, la vive. La parole de Dieu, lui prend caractéristique propre, bon Dieu, mais ça fait parole la vivante, tout bien aimé, parce que c'est Dieu. Ça fait bon Dieu avec vous. Amen, amen. La Bible, c'est pas une lettre morte que lié. La Bible, pas tant qu'un journal, ou râler là, et pour finir, et pour jeter. C'est pas ça, la Bible. La Bible, pas un journal, la Bible, pas un roman. La Bible, pas livre ça, qui charge à qui est là-dedans. Les vivants, parce que c'est instrument bon Dieu que lié. Bon Dieu servit avec pour ben nous la vie. Parce que la parole, bah, est la vie. En d'autres termes, la Bible est la parole vivante, bon Dieu, principalement à cause de qui ça? À cause de ça que le fait. Et ça que Pierre pral exprimer comme ça. Pierre pral dit non ça, non t'as parlé de ça. Non, confiance, lorsque lui pral dit, vous êtes né de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Par la parole vivante et durable de Dieu, et cette parole est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée, mes bien-aimés. Et apôtre Jacques pral fait écho de même sentiment ça qui était traversé apôtre Pierre, lorsque lui pral dit, c'est de sa propre volonté qu'il nous a fait sortir par la parole de vérité. C'est pas bon Dieu avec moi là. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, parole là, les vivantes. Parole là, les vivantes. Vivantes. Parole, bon Dieu, l'autre caractéristique que auteur Banon encore là, lui dit où? Li active et li énergique. Li gen pouvoir. Li file pas ses couteaux pharmacie. La parole de Dieu bien-aimé,
li fè réellement en pile bagay. La parole change bagay yo. La parole accomplit en pile gros bagay. La parole produit effet. Bon Dieu kembe promesse li. Bien sûr. Li pa fè que lorsque l'esprit a li activé, il permet nous comprendre, il répond à ça que li dit, li fait. Et ça fait ou en pile fois ouais à chaque fois moi-même m'a fait lecture moi toujours aimé commencer avec le psaume 119 verset 18 ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi et c'est la parole parce que par nature moi pas ouvert à la parole de Dieu. Par nature, moi pas ouvert à la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez bien aimé? Amen. Moi besoin qu'on y a que l'esprit bon Dieu éclaire les yeux. Moi besoin que l'esprit bon Dieu éclaire l'esprit pour vivifier comme pour me capable qu'on y a recevoir ça que bon Dieu va révéler à travers la parole li. Est-ce que là? Moi besoin dit ça. Amen. Moi besoin mandel pour l'ouvrir les yeux pour me capable contempler les merveilles li. Parce que si l'esprit pas là, mes bien-aimés, si l'esprit pas là pour l'ouvrir intelligence, pour l'ouvrir l'esprit, pour le bail qu'on y a là, l'esprit force, pour le saisir message là, pour le saisir parole là, ou pas besoin de rien de merveilleux. Ou pas besoin de rien de merveilleux là-dedans. En dehors de l'esprit, parole là, c'est son paquet de Molière, il n'y a rien encore. Mm-hmm. Qui parle de ranger, qui parle de router. Alors que la parole de Dieu, lorsque l'y fait un seul à l'esprit de Dieu, c'est le salut l'y transformé. La paix mon Dieu avec vous. Amen. La paix avec vous. Après l'y dit, la parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Hein? Qui ça le dit? Il dit, l'y qu'a coupé, jouk l'y joint côté nom avec l'esprit contre fait youn, jouk côté viennent ak mwel rencontrer. Qui ça l'a parlé là, bien-aimé? Là, l'a parlé là de l'âme, de l'esprit, des articulations, moelle. L'auteur pas fait là une analyse, n'était capable de psychologique ou analyse anatomique de monde, de personnalité monde ou bien de constitution corporelle monde, qui j'en monde fait, qui pas entré là. C'est plutôt là, l'elle fait ça. C'est plutôt une représentation métaphorique, son métaphore que lié en termes graphiques, de puissance précise. Ouais, j'en la vient porter, on précise, on vient porter sous parole là, oui. Mais c'est son relé, une puissance précise et perçante de la parole de Dieu. Il monte jusqu'à côté parole là, est-ce que vous arrivez dans moi, l'eau? Non. Est-ce que vous arrivez dans moi, l'eau, monde? Est-ce que vous arrivez dans zo, monde, bien-aimé? Vous pas arrivé dans moi, le monde. On pas arriver dans nan moun. Est-ce que on arrive dans l'esprit moun? Quelque soit étude ou médecin capable faire gain, il arrive dans l'esprit moun? Non? Ouais. Il arrive dans nan moun, médecin ka opérer dans tout côté, mais est-ce que médecin ka opérer dans moun? Non. Un médecin ka rentrer le dit ou malade nan moun besoin opération. Donc pour rentrer dans salle d'opération mal opérer dans moun, médecin pas gain pouvoir ça. Médecin pas gain pouvoir pour l'opérer l'esprit ou. Mais la parole de Dieu gain pouvoir ça. Est-ce que peut bon Dieu attendre samedi à là? La parole de Dieu, pouvoir pour l'entrer dans l'âme, pour le guérir l'âme. Il y a pouvoir pour opérer l'esprit. Il y a pouvoir pour changer tout en down. Alléluia. Côté l'homme pas qu'à entrer la parole de Dieu, percer la parole de Dieu, il y a pouvoir pour l'entrer là, pour changer tout bagaille. Merci. Et ça le fait, mes bien-aimés. Parce que lui sonder et lui exposer qui ça lui fait, lui mettait dehors, lui mettait à nu la parole de Dieu déshabillée. La parole de Dieu déshabillée, lui exposer tout petit recoin, tout petit trou, soit capable de tout petit trou les plus intimes de être spirituel, lui mettez à nu, lui mettez en lumière. Tout motif inconscient tacite, son pas jamais dit, la parole de Dieu dévoile tout. En d'autres termes, ou capable dit. Que il s'agit de une division du cœur et de l'esprit, des émotions, volonté, et ça après le fait, même moi, ma clame bien aimé, alors que, ça veut dire, elle dit là, que parole de Dieu, les pifilés,
passer couteau aux pharmacies. Puis filer passer couteau aux pharmacies. Épée à deux tranchants. On ça veut dire épée à deux tranchants qui file de bord. Qui file de bord. Donc pas aucun couteau venir pour pas couper. Mais pas de virer la couper. Et puis il dit la parole de Dieu puis filer passer épée à deux tranchants. Est-ce que bon Dieu là? Amen, amen. L'elle dit ça, il y a pile monde qui pensait que l'elle parlait de deux boyaux sont référence à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Exact. Il y a pile monde qui dit c'est ça qu'elle dit couteau filé. Hein? Passer couteau pharmacie, les filets passer couteau pharmacie qui coupé, hein? Les filets de bois. Quelque chose on viril ou apprend. Son façon pour dire que parole la mes bien-aimés, li à la fois temporelle et éternelle. Ou capable le fait est que c'est parole là qui a un double résultat. Ouais, livre montre là que parole là efficacité parole là li rivé à bao un double résultat, soit li sauvé, soit li condamné. Est-ce que peut bon Dieu avec moi là? Amen, amen. Li sauvé et li condamné. Ou amen. Peut-être que ça lui dit c'est que parole là li pas jamais pas manqué coupé. Mm-hmm. Ah ouais. C'est peut-être une autre façon tout pour décrire efficacité. L'on va regarder dans Ésaïe chapitre 55 verset 10 et 11. L'île pour moi. Ésaïe, on allait avec rapide pour nous finir. Mm-hmm. On allait dans Ésaïe chapitre 55 verset 10 et 11 pour nous partager ça avec vous rapidement. Pour nous garder, mes bien-aimés, qui ça, efficacité, hein? Qui ça, livre dit nous sous lui? 55, verset 10 et 11. Verset 10 et 11, il dit, comme la pluie, la neige descend des cieux, il n'y retourne pas sans avoir osé féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Mais bien aimé. Mais efficacité. Vous regardez? Les papes tournent, parole la pape tournent, mais je ne sais pas. Sans les papes. Sans le parfait, ça me dévelé le faire. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Parole la pas tourner vers moi, mais depuis parole la prononcer, mes bien-aimés, la fait effet. Depuis parole la prononcer, la fait effet. Et ça que fait le doula, li pas tourner vers moi, sans le pas faire, sans le faire. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. Amen. Donc, ça, vous avez besoin qu'on aime. Les paroles la prononcer sous la vie, li pas capable de faire. Là, prend le temps qu'il faut, mais elle n'est pas capable de faire. Bon Dieu, pas un menteur. Mm-mm. Bon Dieu, pas un menteur. Parce que on n'a pas tout le monde sans le pas faire. Ça veut le faire. Et pas ça me l'a, non? Ah, bon Dieu, l'a. C'est pour bon Dieu faire ça le l'a dans la vie aujourd'hui. Amen. C'est pour bon Dieu faire ça le l'a dans la vie. Et c'est ça, bon Dieu, v'lait, c'est l'a pour faire dans la vie. Dans la vie famille, dans la vie petite, ou, c'est l'a pour faire aujourd'hui. Pour le nom puissant. La parole de Dieu, l'autre caractéristique bien aimé, la parole de Dieu discerne, il discerne, il discerne pensée, il discerne intention, cœur. Quand on dit ça, moi pense rapidement à ça. David dit dans Psaume 139, il dit ça. Psaume 139, verset 1 à 4 là, il dit monter dans comme là. Lorsque il dit Éternel, tu m'as sondé. Et tu m'as connu. Ouais. Il dit, vous savez, quand je m'assois et quand je me lève. Il continue pour le dire, vous discernez mes pensées. Attendez bien, oui. De loin. Tu cherches mon chemin et ma couche et tu connais toutes mes voies. Wow. Avant même qu'une parole soit sur ma langue, voici Éternel. Tu le sais tout entier. Mais bien aimé, ou capable de cacher pour moi
Ou capable de cacher pour moi. Ou capable de cacher pour ce Nicole. Ou capable de cacher pour ce Belize. Ou capable de cacher pour celui-ci. Ou cacher pour Mario. Ou cacher pour madame. Mon pas cacher pour mon Dieu. Non. Ou pas cacher pour mon Dieu. Parce que bon Dieu, personne ne va tromper. Ou ka hypocrite à tête. Ou ka hypocrite à rem. Mon pas ka hypocrite à bon Dieu. Non. Ou pas qu'à hypocrite à bon Dieu, moi gâte ça pour vous. Ou pas qu'à hypocrite à bon Dieu. Donc c'est ça qu'aime dire au monde. Ou pas besoin d'y manier, la parole de Dieu a dit toute bagaille par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu dit, on pas besoin d'y manier. La parole bon Dieu dévoile toute bagaille. Parole bon Dieu dévoile toute bagaille. Bon Dieu m'a servi à la révéler toute bagaille. Il connaît qui ça me pense, il connaît qui ça pense. On pas prendre dans cœur, on pas pouvoir ça même. Saint-Esprit gagne. Bon Dieu pour elle et bon Dieu qui a révélé m'ni. Ça fait et ça fait les doux ça. Bon Dieu capable révéler au lui mes bien-aimés. Ou pas besoin craser corps, ou pas besoin chercher qu'on est à droite à gauche, à chercher qu'on est. Non, rester dans la prière. Rester dans la communion, rester dans la communication. Ou apprendre ça pour besoin. Et ça, quel doula, li jige tout sentiment avec toute l'idée qui n'a qu'un monde. Vous entendez la parole de Dieu discerne. Li jige tout sentiment avec toute l'idée qui n'a qu'un monde. Ça veut dire que moi, li condamne, li veut dire que parole là, li évalue pensée non. Li évalue intention non. Li pesé non, li évalue non, li analyse. Parole bon Dieu pénétrer dans tout recoin, tout petit côté secret cœur. Il faut prendre conscience. De ça qu'il a, de ça qu'on va vivre là. Là où on fait un bagaille, où on prend conscience de lui, la parole de Dieu fait ça, oui. Là, c'est même. Là où on prend conscience, où on dit, waouh, bagaille, ça m'a pas de faire, non? Waouh, pas sincère, non, à intel. Ou on me sent une hypocrisie là. Ou on me sent une baille intel, un coup de couteau là, qui m'a pas supposé baille. Sentiment d'une parole là, m'a pas supposé dire. Mon qui a Saint-Esprit, la brale ça, oui. La foule, oui. C'est comme ça bon Dieu agit à travers parole li. Donc parole la vie nous miroir pour vous. L'offine fait bêtise là, parole la faut garder. Parole la vie frapper dans figure. Et puis il faut well, il faut salté ou là. Il faut ou bêtise ou là. Il faut ou son pas doit faire et pour prendre conscience. Ça fait, ça pour ouais Hébreux chapitre 3, le verset 12. Regardez qui ça le dit. Dans verset 12 là, regardez qui ça, il dit Hébreux 3 rapidement. Il dit Frémio, attention pour aucun nan nous pas arriver gain mauvais sentiment dans cœur qui pour faire perdre confiance dans bon Dieu. Pour laisser ça, li pas virer d'eau by bon Dieu vivant. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Ou ça le dit là, il parle là de tromperie. Tromperie du péché. Donc péché trompeur mes bien-aimés. Et les péchés filetikol, li rentre dans nanmon. La kembe ou, la roule avè ou, li mare ou, li tode ou, et puis il faut ignorer parole bon Dieu. Et ou même qui pas branché, pas dans communion, l'esprit bon Dieu pas actif, li pas vivant dans la vie ou éloigné de bon Dieu, et bien qui s'est passé ou a plongé, ou pas gen fondement. Ou pas gen fondement, ou a plongé. Et laisse ou pral nan tombe par le monde mal, ou a nan critiqué, ou a nan joué, ou a nan toute qualité bagay. Et ça, on a dépissé tout zinc qu'on a gagné, on a fait actualité dans tout. Tout zinc gagné, on a pas acté dans tout zinc gagné. On a monté tout film, on a tout film zinc. On a là-dedans comme actrice principale, comme acteur principal. On a tout. Parce qu'on est déconnecté. Et dernier caractéristique, là, mes bien-aimés, la parole de Dieu est découverte. Elle est exposée tout secret dans nous. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Est-ce que, mes bien-aimés, est-ce que vous déjà gardez pour ou l'obgardez tête ou l'obgardez vie ou, et puis pour est-ce que parole là est efficace dans la vie? Est-ce que parole là est vivant? Est-ce que parole là, est-ce qu'on servit avec elle? Qui sa parole de Dieu fait pour vous? Est-ce que vous levez rideau dans mon? Est-ce qu'elle retire toute voile qui n'a pas tout vieux sentiment, toute vieille tension qu'on gagne? Et ça le fait pour vous. Li mette à nu tout bagay. Li retire dans fait noir
remettre dans la lumière. Et lui permettre tout, d'explorer toute bagaille. Ça qu'elle découvre toute bagaille. Lui mettait à nu. Lui mettait toute bagaille à nu devant mon Dieu. Parce que lui dit, dans verset 13 là, t'as des pouvoirs. Dans verset 12 là, dans verset 13 là, il dit où? Regardez bien, mes bien-aimés. Il dit, bah qui monde nous gagne pour nous rendre compte? Bah qui est-ce nous gagne pour nous rendre compte? Pas rien qui est invisible pour mon Dieu. Bon Dieu. La parole de Dieu découvre. Il découvre toute bagaille. La parole de Dieu lève toute voile. Il dit, pas rien qui est invisible pour mon Dieu. Toute bagaille paraît à clair devant lui. Nous tous, il est pour rendre compte. Mais c'est parole là qui fait toute bagaille paraître devant mon Dieu. Ou pas qu'à cacher pour mon Dieu. Parole là découvrir toute bagaille. Parole là lever tout drap qui te couvre, tout confort que t'es sous. La parole de Dieu lever tout. Tout en bas table t'as caché, la parole de Dieu découvrir tout. Il lever toute table. Il lever toute couverture. Tout monde qui t'a caché, ouvrir tout monde qui sous bluff. La parole de Dieu dévoiler tout. Ou pas ça qu'a fait Dieu dire? Ou pas c'est une après l'autre tout bluff a déclaré. Ou a démasqué tout bluffeur, il a démasqué tout magouilleur, il a démasqué tout entrepreneur, tout businessman, tout racketeur a dévoilé. Ou bien c'est tout à cette journée a dévoilé, parce que la parole de Dieu est là pour ça. Ou pas capable de mentir pendant tout le temps. Ou pas capable de mentir pendant un temps. Ou pas capable de mentir pendant tout le temps. Mais bien aimé, ou de faire des bagages depuis longtemps, ou sans tout à l'aise là-dedans. Mais il y a un jour, le Seigneur voit une parole pour vous. Et seule graine parole ça suffit pour faut quitter 20 ans de bêtises, 10 ans de bêtises, 15 ans de bêtises qu'on a fait. Graine parole ça, Saint-Esprit va toucher que vous avez. Et pour faut prendre conscience de l'état. Matin, frère, sommes bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que parole est vivant? Est-ce que parole est efficace dans la vie? C'est vous-même qui connaît qui sa parole là bien pour vous. Parce que bon Dieu voulait confronter avec parole là. Il voulait confronter vous. Il voulait confronter parole là avec foi. Et vous-même, est-ce que vous parlez pour confronter foi avec doute, avec incrédulité? Le Seigneur veut faire pousser, il veut pousser à faire confiance. Il veut pousser à faire pas confiance dans aujourd'hui. C'est ça l'attente de vous-même. C'est ça qui fait important pour examiner aujourd'hui. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Parole bon Dieu, mes bien-aimés, il est là pour éclairer vous. Il est vivante, il est efficace. Mais est-ce que ça, c'est une réalité pour vous? Je dis à terrain, il est important pile. Terrain, il est important. C'est cœur qui est terrain. Semence n'a pas de problème. Semence de qualité, mais est-ce que terre de qualité? C'est à vous-même pour entretenir. C'est vous-même qui pour retourner terre. C'est vous-même qui pour gérer. C'est vous-même qui pour nettoyer. C'est vous-même qui pour travailler. Chassez toute incrédulité. Retirez toute vieille feuille, toute vieille zèbre sauvage qui empêchait que jardin, qui empêchait que terre lit recevable. Les cultivables. Retirez tout vieux pied bois, tout vieux sac qui va supposer là, qui empêche au grandir. Et fait place. Qui de cet esprit agit. Parce que cœur, j'en ai dit, c'est champ de bataille là. Et c'est là, la parole de Dieu doit implanter. Si terre n'est pas propre, terre n'est pas nettoyée, n'est pas préparée, la parole de Dieu n'est pas implantée. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde, que le Seigneur passe avec vous. Et vous dites, quand tu dis, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Que bon Dieu aide vous à faire nettoyer ça, pour que parole là capable vivante et efficace dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.